On va construire une nouvelle cabane? Non. C'est plus le moment de jouer. Qu'est-ce qu'il y a, John Gibbs? Il n'a pas été honnête avec moi. Pourquoi vous me dites ça? Je suis retourné dans ton jardin. J'ai donné quelques coups de pelle sous ta cabane. Je voulais l'enterrer plus profond, mais j'ai pas pu. J'ai pas eu le temps. Il fallait que je me dépêche pour pas que Monsieur Curtis se rende compte que j'avais fait le mur. Comment c'est arrivé? Pas la peine de me regarder comme ça. Mais je veux t'aider. Mais si tu te braques, je pourrais rien faire. C'est exactement ce que ma mère disait. Elle disait tout le temps qu'elle voulait m'aider. Elle était prête à m'envoyer me faire soigner dans un endroit spécialisé dans le Montana. Mais moi, j'ai pas besoin qu'on m'aide. Je déteste ce mot. Et je la détestais. Ton père, tu ne le détestes pas, lui? Non. Il voyait pas ce que je subissais. Forcément, ça se passait toujours mieux quand il était à la maison. C'est pour ça que tu te faisais du mal. Pour le faire revenir. Parfois, ça marchait. Mais il finissait toujours par repartir. Il fallait que tu sois seule. Pour qu'il reste auprès de toi. C'est de sa faute à elle. Elle était tout le temps en train de me rabaisser et de m'humilier. J'avais pas d'autre choix que de me débarrasser d'elle. Papa aussi, il est resté sans voix quand je lui ai expliqué. Et je suis sûre qu'il finira par comprendre. Je suis sa petite fille adorée. Je peux en avoir un autre ?